Alors, tu montres comment on fait ? Ça va ? Ah oui, ça va. Ça va. Là, on a pris une petite piste pour faire les démos. Ouais. Moi, t'as bien fait. Hein. Allez, c'est cool. Hein. Bah ouais. Je suis là, le Scooby-Doo. Et les pistes comme ça, tu les vends à part ou quoi ? Ouais, on les vend à part, bien sûr. Ouais, c'est cool ça. Ouais, bah oui. Ça, là, en fait, elle est à ce cas, c'est que on a des crawlers à 18e. Ouais. Et cette piste-là, elle est plus, plus à 24, en fait. Ouais. Mais ça va quand même. Hein. Voilà. Et sinon, après, on n'est même pas vraiment obligé non plus d'avoir. Comment dire ? L'avantage des mini-crawlers. C'est que tu fais des pistes où tu veux. Ouais. Hop. En fait, limite, tu te marques plus avec le skatepark, enfin le crawler park qu'on a fait avec les boîtes, que. Oh, bon, on va être dans des forts blocs. Hein. Wow. Et quand on voit quand même les capacités de franchissement, on dit mais comment c'est possible ? C'est lequel celui-là ? C'est l'obitec celui-là ? Ça, c'est l'obitec, ouais. C'est ça. Vas-y, pousse-moi un peu, mon coco. En fait, c'est le. Voilà. C'est le moins cher en fait, le bitec. Ah, mais il me rentre pas dedans quand même, hein. C'est pas du stocker, ah bah voilà. Et là, bah on est trop loin, on est au milieu, on n'arrive pas à le choper. Et ouais, c'est pas mal le petit combo comme ça. Si, c'est bien. Il y a différents modèles en fait. Ouais. Tu vois. En fait, soit tu peux acheter les modules un par un, ouais. Ou après, tu as des par 3, par 4, par 5, et puis vraiment, tu peux vraiment. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, tu as à peu près 10 modules différents. Ouais. Et pareil, de la même façon, en fait, ça s'achète à plat. Ouais. C'est prédécoupé au laser, et tant qu'il tout et tout, c'est de la bonne qualité, c'est bien fait. Ouais, c'est pas mal, c'est pas bête, franchement. Ouais. Mais c'est combien un kit, un élément à peu près ? J'ai pas, c'est assez cher quand même. Ouais. Ouais, c'est encore le défaut en fait. C'est après. Bah, malgré tout, tu vois, quand tu vois là, rien que là, le nombre de pièces qu'il y a, ouais. Toi quand même qu'il y a beaucoup de pièces. Hein. Mais c'est pas bête, parce que j'ai acheté la machine pour faire les éléments. Après. Donc, j'ai acheté une petite fraiseuse. Non, mais forcément, après. Mais bon, après, il faut faire tous les trucs, quoi. Ouais, mais après, l'avantage, tu vois, c'est qu'entre guillemets, la personne qui mais là, a. C'est cool, comment dire. Après, quand t'as le plan et tout, tu fais ça en série, quoi. Ouais, mais bon, c'est cool quand même, franchement, le principe. Bah oui. Que j'avais fait un truc avec de la mousse et tout expansif, tu sais, mais avec le temps elle s'émiette. Ah ouais. Puis ça fait un gros bloc à chaque fois à déplacer, quoi. Mais Nathan, je vais arriver. Le seul truc, c'est qu'on a mis des clous là. Tu vois ? Ah oui, pour brider, ouais. Parce que sinon, bah, en fait, quand on accélère, bah, c'est ce truc là qui s'en va, quoi. Ouais. Et par contre, on voit vraiment que qu'on a vraiment des vrais croisements de pont, tu vois. Bah là, j'ai raté, forcément. Tu vois. Donc, c'est marrant. C'est marrant. Pas mal. Et pareil, les crawlers Orbitec, bah, on peut allumer, éteindre les lumières depuis la radio. Ouais. C'est un vrai cerveau et tout. Il y a vraiment une vraie proportionnalité. Même si la radio elle fait débutant en train de gamme, elle est bien vraiment bien et tout. Voilà. Elle est adaptée aux petites mains, mais aussi aux grosses mains des adultes. Voilà. Et ça, en fait, c'est le même de chez FTX. Là, je ne l'ai pas encore vu celui-là. Comment dire ? Avec une carrosserie un peu style Scooby-Doo. Voilà. Bon, là, j'ai. Comment dire ? J'ai pas mis les rétros parce que sinon. Ouais, bah ça. Ouais. Normalement, il y a aussi un peu de décoration, des rétros. Et tout. Ouais. C'est le même châssis. Hein. C'est le même sous-traitant de base. Hein. D'accord. Voilà. La différence, c'est que moi, là, j'ai déjà la transmission assis. Ouais. Et ça vaut 10 euros. Enfin, non plus. Ouais. C'est aussi l'avantage des petits crawlers dans ce genre-là. C'est que les pièces sont pas chères, les accus sont pas chers, il n'y a rien de cher. Et là, tout est aussi, vu que c'est un kit à monter. Ouais. J'ai le rond à l'intérieur du bedlock, s'il est en laiton pour avoir plus de. Ah oui, d'accord, ouais. T'as mis les lestes à l'avant, du coup. Ah ouais, il y a aussi une différence aussi. Là, vous avez les ponts normaux, et là, vous avez des ponts portiques. D'accord. Donc, vous voyez, là, on a beaucoup plus de garde-sol. Ah oui, t'as plus de passage au milieu, voilà, en fait. Ce qui fait qu'on gratte, on bloque moins, tu vois. Par contre, bah, c'est bête à dire, mais ce pneu-là a plus de grip. Donc, c'est des avantages parfois, oui, et ouais. C'est moins d'avantages de l'autre. Voilà. Mais ouais, les pneus ont l'air pas mal. C'est un peu que je tiens.
Ah, attends. Ça, c'est le mien, ça. Ah bah, il n'y a plus de pile, je pense, celui-là. Bon, allez, je vais te laisser. Ah ouais, bon, là, il n'y a plus d'accueil. Forcément, on joue avec depuis hier. Ah, bah voilà pourquoi. Bah, merci bien. En fait, on t'a tout mélangé les télécommandes, maintenant, c'est plus quoi. Ah ouais, attends. Ah bah oui. Non, ça, c'est la rouge. Ça va aller mieux. Ah bah voilà. Ok. Voilà. Et celle-là, vous pouvez tester aussi. Je vais juste réduire la vitesse. Bah, vu que tu peux, en fait, t'as un dual ride pour la vitesse. Ouais. Bah, tu peux faire tester les gamins. Ouais, c'est bien. Tu vois, quand même, ça a pas une grosse capacité de franchissement. Hein. Là, c'est que normalement, je roule la manche. Ouais. Donc bah là, avec un volant, je peux mettre sur ma manche. Alors, tu peux nous donner l'adresse de la boutique, le nom de la boutique. C'est Racing Shop pour Auberchicourt. C'est 152 rue de Douai. On est ouvert depuis 30 ans. Et voici une carte, voilà. Voilà la carte, les gars. Et après, je voudrais quand même vous montrer un truc, c'est super aussi. Quand t'arrives l'hiver et tout, et qu'il pleut et tout, pour les enfants. Pardon. Voilà. Le Digibiron. Ça, c'est Nicolas, d'accord. Voilà, vous voyez, ça, c'est radiocommandé. Et pour bien qu'on ait l'idée de la taille. Oui, il y a les ah. Voilà. Et tu vois, même dans la taille, hein, par rapport à la montre d'un enfant, c'est vraiment microscopique. C'est à l'échelle 1/76e. C'est quasiment l'échelle des trains, à chaud. Et pareil, c'est une vraie radio proportionnelle et tout. Ouais. C'est super. Mais c'est bien la petite piste comme ça en plus. Ouais, après, il y a plusieurs tailles de pistes. Il y en a après le grand modèle qui fait 2 mètres de long sur 1 mètre de large quasiment. Voilà. Voilà, voilà. Les différentes carrosseries et tout. Mais ouais, c'est fun. T'avais déjà vu ça? On m'en a envoyé une pour que je joue un peu avec, mais j'ai pas de piste en fait. Ah ouais, bah après, juste après juste une grande planche en bois, ça va aussi. Par contre, il faut pas de carrelage, les joints ils sont trop gros. Quoi. On m'a envoyé aussi là, une version comme ça, mais MT. Ouais, elle est là. Mais franchement, il est pas mal en MT. Ouais. Ouais. Ah mais c'est pas des Red Bull là, c'est des voitures dans des canettes. C'est quoi? Ah toi c'est juste que c'est une voiture de police quoi. Ouais. Bah bon ça c'est vraiment un premier prix joué. Hein. Ouais, bah c'est oui, pas du vrai modèle, ça c'est du vrai modèle quoi. T'as même des pièces détachées auxquelles tu casses à ouais. Transmission et tout. Bon par contre vu la taille, faut des mini doigts de chinois. C'est vrai que là ouais ça doit être. Tu sais qu'on m'a donné une carreau à peindre comme ça. Ah bah on l'a en fait quand tu as. Faut que je la fasse, je sais pas encore quelle couleur je vais faire, mais c'est vraiment petit. Ça c'est le nouveauté en fait, nouvelle carrosserie. Donc ça se présente comme ça quand vous l'achetez. Donc ça c'est les turbo racing. Voilà c'est ça. Donc là il y a trois carrosseries, enfin trois carrosseries, deux à peindre soi-même. Et ça c'est le nouveau modèle et tout, c'est genre un muscle car. Elle est jolie. Voilà, en noir mat. Elle est pas mal. Hein. Et pour vous dire que c'est un peu des fous, bah même le volant il est différent selon le modèle. Ouais, il a changé, ouais. Ouais. Donc voilà. Et c'est apporté par des gens sérieux, c'est bien. Ah, plutôt c'est pratique avec la boutique. Oui. Là, pour les gens, ils viennent s'ils ont des questions. Et tout ça. Voilà, c'est ça. On a une boutique en ligne, mais c'est une boutique physique avec des renseignements techniques. Vous avez des problèmes avec votre voiture, on va vous aider, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez. Allez, Nathan, continue. Allez, bonne visite. Merci à toi aussi. Donc là, c'est une nouveauté de M, les gars. Pirate XTV. J'aime bien les pneus. Et j'ai commencé avec celui-là.
mais là, tombe pas mort quand même. C'est quoi celui-là? C'est un MHD Interceptor. Ah, il est marrant. Moi, je l'appelle MHD Mad Max, le dôme du tonnerre. Ah, il est marrant. Voilà. C'est une voiture brushless, 4 motrices et tout. Voilà. Avec une carrosserie style Mad Max. Ah, tu sais que j'ai acheté ma première RC avec toi. Hein. Ah, je sais. Sur un salon, j'ai acheté le Moab là. Ah, ok. Bah, le Moab, c'est le même distributeur. Ouais. C'est scientifique MHD. C'est des gens dans le coin du Valenciennes. Voilà. Oui, j'arrive, Nathan. Oh, t'as vu la pelleteuse. Wow, le but. Ouais, en plus, il était commenté, je l'ai vu en frag. Ah ouais. Par contre, c'est combien? Ah, ça serait ton kiff, ça. C'est pas. Ah ouais. C'est pas Noël, hein. Ouais, mais non plus, c'était commenté. Ah, avec les phares qui s'allument et tout, hein. Ah ouais, regarde. Regarde derrière. Je suis deg, du coup. Et au moins, je sais que ça existe, tu vois. Ah ouais, mais et, ça... Et je sais où l'avoir. Ah ouais, mais peut-être que ça sera plus long. Mais si, t'inquiète pas. T'appuies pas sur les boîtes, s'il te plaît, Nathan.